Seule candidate, Danielle Chusseville a été ce matin élue sans surprise première présidente du Nouveau Rhône. Une élection nécessaire suite à la séparation entre le Conseil général et la métropole le 1er janvier dernier. La présidente reconduite n'assurera son mandat que temporairement puisque les élections cantonales se tiendront en mars prochain. J'inaugure un nouveau département et donc présidente du Nouveau Rhône. Bah écoutez, ça sera un petit peu bizarre, mais il y aura eu une femme présidente dans l'ancien département. J'ai terminé et on commence par une femme dans ce nouveau département. Danielle Chusseville qui a précisé qu'elle ne se présentera pas pour un nouveau mandat lors des prochaines cantonales qui viseront à élire cette année 26 conseillers généraux contre 54 auparavant.